Groupe Bellemare est une entreprise familiale, troisième génération d'actionnaires, fondée en 1959. On est très diversifié. On fait des produits d'abrasifs et minéraux, donc sandblast, verre recyclé. On a un site d'enfouissement dans notre compagnie Bellemare Environnement qui inclut location de conteneurs, centre de tri. On fait du béton compacté à rouleaux. Nous avons deux plans de béton, presque trois maintenant, un en devenir. Et nous avons bien sûr Transport Bellemare International qui fait autant du transport spécialisé que du transport aussi local. Et on a notre compagnie Manutention qui fait vraiment de l'ultra lourd. Pour faire toutes nos opérations mécaniques, nous avons notre propre équipe dans gestion TBL qui compte près de 70 personnes, dont 40 mécaniciens. Ces 40 mécaniciens s'occupent de nos plus de 130 camions, 400 remorques et on a une multitude de machinerie allant du tombereau jusqu'au concasseur à rouleaux. La passerelle comptable de MIR nous permet de couvrir plusieurs scénarios qu'on a besoin chez Bellemare, notamment la création d'articles. Donc, aussitôt qu'une article est créée dans notre système, à nous, elle est reflétée dans le système MIR en temps réel. Donc, c'est plus de 60 000 articles qui sont en parallèle dans les deux systèmes, que ce soit la description de l'article, la quantité et l'emplacement. Il y a aussi tous les bons de travail qui sont ouverts dans MIR sont aussitôt créés dans notre système comptable pour qu'on ait les mêmes projets. Donc, c'est plus de 22 000 transactions qui sont en parallèle à chaque année. Et là que ça devient intéressant, c'est les transactions des pièces. Toutes nos pièces sont en inventaire dans notre système comptable et sont transigées vers MIR. C'est plus de 75 000 transactions par année qui sont imputées en temps réel sur les bons de travail de nos mécaniciens. Et pour conclure, c'est la fermeture des bons de travail qui permettent la facturation automatique dans notre système comptable. Donc, la passerelle nous communique l'information et nous, on la traduit en facture de vente aussitôt. Les interfaces sont vraiment efficaces, c'est simple à manager et aussi c'est drôlement stable. Exemple, côté interface, on peut parler avec Isaac, tous les odomètres s'ajoutent automatiquement à chaque 24 heures. Donc, côté suivi des entretiens, c'est vraiment efficace. Le planificateur, c'est généralement l'outil que j'utilise le plus parce qu'il est en lien avec toutes les autres facettes de MIR. Je peux voir les notes, je peux voir la gestion des unités, les échéances des entretiens, quel gars est attitré à quelles tâches sont déjà cédulées, quelles tâches sont commencées mais ne sont pas terminées. Fait que c'est l'outil vraiment global qui m'aide le plus à faire le suivi sur les travaux en cours avec les mécaniciens. Dans ma carrière de mécanicien, j'ai utilisé d'autres logiciels. Là, c'est vraiment pas comparable. Là, c'est plus facile l'utilisation, le MIR, que ce que j'ai connu par le passé. Ce que j'aime de MIR, dans le fond, c'est le matin, quand j'arrive au travail, je vois ma planification à l'avance pour ma journée. C'est super facile d'utilisation. T'sais, je peux voir la planification même pour les journées à venir. Fait que, je peux à la limite prévoir ma semaine. C'est super facile de voir même les notes des autres mécanos qui l'utilisent. Le système MIR est simple aussi, puisqu'on peut faire des réquisitions rapides, comme pour commander des pièces, on n'a pas besoin de passer vers les boss, on va directement sur MIR. On fait une réquisition, puis on demande directement la pièce qu'on a besoin, le nombre de pièces, puis avec la vitesse à laquelle on veut recevoir la pièce, donc si on veut la recevoir maintenant, si on peut la recevoir dans quelques jours, si c'est pressant ou pas. En tant que directrice de gestion TBL, ce que je préfère du système MIR, c'est toutes les informations, la multitude d'informations que je peux avoir, que ce soit du bon de travail du mécanicien avec tout le détail qu'il y a dessus, les pièces, les heures, jusqu'à la gestion des unités avec les manuels, avec la date d'achat. C'est ça qui me permet de voir clair sur où on s'en va. On est capable de tout regrouper ces informations-là pour, en fin de compte, prendre les meilleures décisions possibles afin de pouvoir donner le meilleur service à nos clients internes. Ça fait plus de 20 ans que le groupe Bellemare a choisi le logiciel MIR et encore aujourd'hui, on est convaincus que c'est la meilleure solution pour la gestion de notre maintenance mécanique.